Voici comment produire et partager un document Word avec Office 365. Donc, on ouvre le navigateur Web. On peut se connecter avec son compte. Si c'est mon compte, c'est à droite. Ensuite, on va chercher office.com. On se connecte. On va choisir « Utiliser un mot de passe ». Vous n'aurez peut-être pas nécessairement besoin de faire cette étape-là. Vous entrez votre mot de passe qui est lié à votre courriel CS du Roi. On peut dire « Oui » à ça. Et là, si vous avez déjà, par exemple, un enseignant ou une enseignante qui vous partage un document à compléter, bien, vous allez le retrouver ici ou dans les documents partagés. Mais si vous voulez faire un nouveau document, alors là, vous allez dans l'application Word. Vous faites un nouveau document. Vous écrivez votre texte et ensuite vous le partagez. Alors là, vous pouvez le partager à une personne. Si vous voulez le partager à une autre personne, vous ajoutez tout simplement une personne ici et vous faites envoyer. C'est réglé. On ferme le navigateur et c'est terminé.